Salut à tous et soyez les bienvenus. Hoje é dia da gente continuar a leitura do livro que eu contei para você, que era um dos meus livros preferidos quando eu era criança, Les Lettres de Biscotte Mulotte. Então eu vou retomar a leitura do ponto em que eu tinha parado. Se você ainda não assistiu a primeira parte, vai lá assistir agora mesmo a primeira parte que vai te ajudar a entender melhor. E é um bom treino também de escuta, né? Para você treinar a escuta em francês. Vamos lá? Pauvre Biscotte, disent les enfants, elle a pris froid. Alors ils s'amusent à lui faire des tas de petits habits en papier de couleur. Des manteaux, des chapeaux et même des petites bottes. Ça la fera rire, la mulotte. Et puis, ils mettent les petits habits dans une enveloppe et ils lui font écrire à la maîtresse. C'est pour toi, Biscotte, pour bien t'habiller et pour te faire rigoler. Le lendemain matin, l'enveloppe n'est plus là. Biscotte l'a prise. À l'heure du goûter, les enfants déposent des petites miettes de leur goûter et ils disent doucement devant le trou « C'est pour toi, Biscotte !» Le lundi matin, les enfants sont bien étonnés. Biscotte n'a pas encore répondu. Il lui avait fait des cadeaux de dessins et de morceaux de biscuits. Et c'est mal poli de ne pas répondre pour leur dire merci. Un enfant s'aplatit pour regarder sous l'armoire et il appelle pas trop fort. « Biscotte, pourquoi tu ne réponds pas? On t'a fait des cadeaux d'habits et tout ça et... » Mais il s'arrête et il se met à crier. « Maîtresse! Maîtresse! Le trou de mulotte! Le trou de Biscotte! On l'a bouché !»« Pas possible !» dit la maîtresse. Et elle s'aplatit par terre aussi pour regarder. Oh ! Malheur ! C'est l'électricien. Il a arrangé les fils et il les a recouverts avec une grosse planche le long du mur, juste là où il ne fallait pas. Les enfants crient « Biscotte, t'en fais pas, on va te sauver la vie, n'aie pas peur !» Ils veulent tout arracher, ils veulent aller chercher l'électricien, le maire, les pompiers. Mais la maîtresse leur dit « Attendez, laissez-moi faire. » Elle tire un peu sur la planche et puis un peu encore, petit à petit, elle arrive à l'écarter du mur. « Voilà, ne disons rien à personne. Il ne faudrait pas fâcher l'électricien. » Nous verrons bien si Biscotte arrive encore à se glisser. Attendons jusqu'à demain. Le lendemain, merveille, il y a une lettre de Biscotte. Mes chers petits amis, comme j'ai eu peur de ne plus pouvoir aller dans votre classe, je vous ai entendu me crier « On va te sauver la vie, Biscotte !» Vous avez très bien écarté la planche et maintenant je peux passer. Vous savez, les mulottes, ça s'aplatit presque comme une galette et ça passe un peu partout. Je ne vous ai pas encore raconté que souvent avec mes parents et l'oncle Molette Grognon, nous sortons par le toit en haut et nous allons nous promener dans le village. J'ai une cousine qui s'appelle Tartine et qui habite dans le clocher. Pas celui de l'église, mais celui de la vieille pendule qu'on appelle la boîte à sel. J'aime bien aller voir Tartine, mais ces jours-ci, je ne sors pas. J'ai encore attrapé un rhume et je me mouche et j'éternue toute la journée. Bisous moustachus, Biscotte, mulotte. Quand les enfants répondent à Biscotte, ils décident avec la maîtresse de lui faire une surprise. Des petits mouchoirs en papier découpés bien carrés avec des dessins dessus. Ou des lignes de toutes les couleurs, ou des petits carreaux. Chaque enfant fait un mouchoir. Il y en a qui font même deux. Et puis, comme il fait très beau, ils vont se promener comme les mulots dans le village avec la maîtresse. De loin, ils voient la boîte à sel. Ils s'approchent le plus près possible. Ils essaient de voir Tartine. Ils appellent « Tartine ! Tartine !» Mais elle ne répond pas. Peut-être qu'elle est enrhumée elle aussi. Deux enfants crient « Je l'ai vue ! Je crois que je l'ai vue !» Mais les autres se dévissent le cou et ne voient rien. Quelques jours plus tard, Biscotte leur écrit pour leur remercier des mouchoirs. « Mes chers petits amis chéris, les mouchoirs m'ont fait très plaisir et m'ont beaucoup servi, surtout parce que j'ai fait une grosse bêtise et que l'oncle Molette m'a filé une grosse fessée
et que j'ai pleuré pendant 4 heures. Est-ce que vous faites des bêtises, vous aussi? Bisous moustachu, biscotte, mulotte. Oh là là, oui, eux aussi, ils en font des bêtises. Ils répondent tous ensemble et la maîtresse a tout juste le temps d'écrire. Moi, je mets toutes les couvertures par terre. Moi, des fois, je fais pipi au lit. Moi, j'ai cassé une assiette. Moi, j'ai cassé mon vélo. Et puis, je veux jamais aller au lit. Moi, je vide tous mes jouets et je joue pas. Moi, la nuit, je fais pas de bêtises. Et puis aussi, ils disent à Biscotte de faire attention à Angelo, le chat de l'école. Des fois, qu'il se promènerait la nuit dans la classe. Voilà, espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. E eu prometo que eu vou terminar o livro em breve, em mais uma sequência aqui de leitura para você aqui no YouTube. Se você gostou dessa aula, coloca aqui nos comentários para saber se você aproveitou desse momento para treinar a sua escuta e ouvir mais francês. Merci beaucoup et à la prochaine. Tchau, tchau!